Vous regardez RTL. Yves Calvi, jusqu'à 9h30. RTL Matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour Valérie Giscard d'Estaing. Bonjour Mademoiselle Jeanne, bonjour Monsieur Calvi. Et merci de me donner la parole sur votre poste de radio. Écoutez, c'est avec plaisir Monsieur le Président, nous vous écoutons. Je suis venu pour pousser un coup de gueule sur les programmes télé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y en a que pour le football en ce moment. Oui. On nous déprogramme toutes nos séries. Heureusement qu'il nous reste Equidia Life, KTO, Vivolta et TV Braise et Frisson Extrême. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne que j'ai découverte par hasard, en entrant mon code parental. Oui. Il y a beaucoup de films des pays de l'Est. Oui, bon, alors revenons à vos programmes de télévision. C'est normal qu'ils soient chamboulés. Tant quand vous étiez ministre des Finances, vous avez joué au foot. C'est vrai, bonne mémoire. Souviens, vous savez, M. Calvi, vous avez vu les photos, hein. Bon souvenir, vous avez vu les images où je cours en short, vous avez vu les images sont très courtes. Oui, ça va. Oui, ça dépassait. C'était le 4 juin 1913, à Chamalières. En tant que maire, j'ai organisé un match de football. Le conseil municipal de Chamalières contre l'amicale des commerçants du centre-ville. Alors sur la touche, il y avait Marlène Jobert, qui était un peu la mascotte de notre équipe. Elle était mignonne. Hein. À la dernière minute, j'ai égalisé sur pénalty. Alors après, je vous dis, pas la fiesta. Nul nous bat. Alors, Marlène Jobert, c'est venu me féliciter sous la douche. Avec sa petite chatrousse. C'est tout trop. Et là, qu'est-ce qui arrive? Je dis, pour faire une surprise. Mireille d'Arc, avec son chien. La pauvre chatte à Marlène. Elle a rendu folle. Mireille d'Arc, les babines baveuses. Elle s'est bouffée. Bon, merci. Merci Valérie Giscard d'Estaing. Merci. En cette période de tension entre la France et l'Italie, la chaîne publique d'information continue, France Info Télévisions, peut toujours compter sur son intervieweur vedette, notre confrère Jean-Michel Apathy, pour jouer carte sur table. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à être obligés de nous regarder à cause des orages qui ont grillé votre box. Ne faites pas attention si je suis tout ébouriffé, c'est parce que j'ai dû combattre un stagiaire que j'ai surpris en train de mettre du cirage dans mon casque de scooter. En cette période de crise migratoire européenne majeure, j'ai décidé de recevoir le président du Conseil italien, Monsieur Giuseppe Conte. Monsieur Conte, bonjour. Que vous a dit le président Macron lors de votre entrevue de vendredi dernier? Répondez sans manœuvre dilatoire. Je vous en conjure, Monsieur Conte. Giuseppe Conte, je peux parfaitement concevoir votre colère, voir votre courroux et même eu égard à la désinvolture et l'arrogance française concernant le problème des flux migratoires, mais ce n'est pas une raison pour me dire « va-fan culo ». Je réitère donc ma question au président du Conseil italien que vous êtes, Giuseppe Conte. Quelle garantie vous accordez le président Macron, M. Conte? Mais en fait, c'est aberrant. Vous n'êtes pas le nouveau président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Vous êtes Paolo Conte, le crooner transalpin. Ils sont de plus en plus abrutis dans cette rédaction de France Info Télévisions. En cette période de mercato audiovisuel, je me mords les orteils de ne pas avoir accepté la proposition de Nicolas de Taverneau de faire les démonstrations d'objets promotionnels dans M6 Boutique. Si ça continue comme ça à la rentrée, je vais finir au point route. Dans la foulée de l'immense succès de son dernier CD, Renaud vient d'enregistrer un disque de reprise de ses plus belles chansons, regroupé dans un album collector intitulé « Renaud chante le mois de juin ». En exclusivité, en voici quelques extraits dont l'incontournable « Marche à pied ». Le gros Martinez s'est pointé avec sa moustache, qu'il avait peigné comme un as, comme une queue de vache. J'ai dit à Bob qui était au rad, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade. Banderole CGT avec des vieux slogans ragards, mégaphone, lacrymo,
avait planqué dans son falzar. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui a l'air sorti de nulle part. La carte tournée chez les soviets, se faire voir. Avant qu'il ait pu dire un mot, je l'ai chopé par son polo. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes. Y'en a plein le cul de la CGT. On a pas marre d'emmerder le monde. Casse-toi tu pues et marche à pied. Quand le casseur masqué a voulu rentrer dans mon bar, avec son casse, mon job pioche, casser le comptoir. J'ai dit à Bob, qui était au flip, arrête j'ai peur, c'est une tête de lard. Je veux pas d'histoire avec ce tocard. Derrière son pauvre foulard, je vois pas ses yeux et ça me dérange. Si ça se trouve, il me regarde, faut qu'il arrête, sinon je l'arrange. Tu vas voir qu'à tous les coups, il va me dire qu'il est anarchiste, libertaire, révolté, mélanchoniste. Avant qu'il ait brûlé mon bar, j'ai chopé le type par le falzar. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, t'as rien à foutre dans ma carré. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à pied. Renaud chante le mois de juin. L'album déjà culte qui raconte toutes les galères du mois de juin inclut le single « Football gagnant ». On m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder notre argent qui s'en va. Dépensé par l'État, pour un tas de fouteux, à mort-moi le nœud. Tous ces stades onéreux sont devenus la Mecque, des lobotomisés, de la pastèque. Des crétins à crampons jouant à la baballe, pendant que dans le pays tout va mal. Te raconter un peu que pour le populo, faut du pain et des jeux. Parqués dans des fan zones, abrutis bariolés, avinés beuglants. C'est le football gagnant. À regarder la télé, 5 minutes avec toi, c'est plein de supporters, on les voit. Crial et les bleus, en pissant de la bière, c'est peut-être ça la vraie misère. Sous un grand bleu, blanc, rouge, du menton aux cheveux, barbouiller tout ce qui bouge, même la queue. Et finir la soirée, remplie comme des tonneaux, en dégueulant dans le caniveau. Te raconter enfin comment faire des magots quand on est président. On enfile un maillot, on agite un drapeau et le peuple est content. C'est le football gagnant. Renaud chante le mois de juin inclut les tubes « Tu peux pas faire un barbecue, il pleut ». Une production CGT, Météo France, Casseurs sans frontières. Et ce sera donc 13h50 pour la rediffusion, mais heureusement le beau temps est de retour. On va en parler dans quelques instants dans notre météo à 7 jours. Donc 13h50 chez Stéphane Carpentier et Christelle Rebière, et puis bien entendu sur le site RTL.fr. A tout de suite pour notre météo avec Louis Bonin, celle de votre week-end et même un peu plus loin.